Madame. Madame. Vous avez l'air ailleurs. Pour la femme du futur gouverneur de la région, c'est pas normal. Pardon, je ne veux pas parler de ça. D'accord, je m'excuse. Mais je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas enthousiaste à l'idée de devenir la première dame du gouvernorat de Makwa. Je t'ai dit que je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas parler de mon mari. Je m'excuse encore. Remets ce document à la nouvelle stagiaire, elle va s'en occuper. Et celui de votre mari? En fait, je voulais savoir s'il va... Commence d'abord par faire ce que je t'ai demandé. Papa? Oui, ma princesse? Je ne veux pas que tu te présentes aux élections régionales. Pourquoi tu dis ça? Je ne peux plus marcher avec ma meilleure amie, Ivana, parce que tu es le concurrent de son père dans cette élection. Mais en quoi est-ce que cela vous pose problème? Son père dit que notre amitié va nuire à sa campagne électorale contre toi. Oh, ben, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Lui et moi, nous ne sommes pas des ennemis. Bon, t'inquiète pas, on va trouver une solution. T'as compris? Ça va aller. Oui, ça veut dire que tu vas retirer ta candidature? Mais non, ma fille, ce n'est pas ça la solution au problème. Mais il n'y a pas d'autre solution, papa. À cause de cette élection, je vais perdre ma meilleure amie. Et toi aussi, parce que tu vas devenir de plus en plus rare. Oh, mais qui t'a dit ça? Tu devrais être plutôt fier que ton père soit gouverneur. Bonjour, ma grande sœur chérie. Tu as dit vouloir me parler face à face, il s'agit de quoi? J'ai enfin trouvé un moyen efficace pour savoir si Ellie te trompe vraiment. Lequel? Je vais le filer pour savoir où il va et qui il voit. Ce n'est pas ça qui m'a dépassé à faire, Maïmouna. Mais pour mon propre bonheur, il vaut mieux que je le quitte. Ce n'est pas seulement ton bonheur qui est en jeu, mais celui de la famille aussi. Et si le tien ne t'importe pas, sache que celui de la famille m'est précieux. Alors, sache que, comme prévu, ma sœur, la bataille commence dès demain. À plus. Je t'interdis de filer mon mari. C'est mon mari et non le tien. Fatima, ce n'est pas le mien, c'est vrai. Mais sache que l'espoir de toute la famille repose sur lui. Je le fais aussi pour moi, grande sœur. Dans ce cas, fais-le pour toi. N'ose pas me présenter le résultat de tes filages. Je n'en ai pas besoin. La famille en a besoin, Fatima. On en a besoin pour le recadrer et le maintenir comme beau-frère. Je t'ai appelé toute la nuit d'hier. Où étais-tu? Mais c'est quoi cette agression? J'ai passé toute la soirée à chercher des arguments pour piétiner ce vieillard de Camden à la campagne. Tu as une autre femme dans ta vie en dehors de Fatima et moi? Oui. Ma fille Capoel n'est pas un homme, à ce que je sache. Prends ma question au sérieux, monsieur. En dehors de ta femme, tu me trompes avec qui d'autre? Je ne trompe ma femme qu'avec toi. C'est moi que tu trompes avec elle, monsieur. Tu es ma fabrication, Elimba. Ok, bah écoute, je vois que tu n'es pas d'humeur à discuter avec moi aujourd'hui. Alors, bonne journée. Oh non! S'il te plaît, chérie, excuse mes excès. Tu sais très bien que je t'aime beaucoup. Et
es le seul qui sait me toucher, me donner du sourire. Même mon défunt mari ne t'arrivait pas à la cheville. Et tu sais aussi que c'est assez difficile pour moi de me sacrifier pour ta carrière politique pendant que tu me trompes avec une autre femme. Tu es loin de t'imaginer ce que je pourrais te faire si jamais je découvre que tu as une relation extra-conjugale. Écoute, j'ai horreur du chantage. Et si c'est pour ça que tu m'as choisi en tant que tête de liste, tu peux toujours changer de candidat. Non, mais c'est assez gênant de t'appeler tout le temps et que ça sonne dans le vide. Je sais que tu ne décroches pas parce que tu es avec ta femme. Mais il n'y a pas que le sujet d'amour entre toi et moi. Il y a aussi la politique, Ellie. Et ton sourire. Quelle est la raison de votre visite? Depuis quelques temps, je suis sous une pression énorme. Alors, j'ai décidé de venir faire un check-up général. Il faut que je sois en pleine forme avant le début de la campagne. Bien réfléchi. Je vais vous faire une ordonnance. Je vais vous laisser aller au laboratoire, faire le prélèvement et vous me reviendrez. D'accord. Merci, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ça ne va pas, madame? Qu'est-ce qui ne va pas? Je voudrais voir le docteur Ngwa. Docteur Ngwa, vous avez rendez-vous? Oui. Votre nom, s'il vous plaît? Madame Ekambi. Madame Ekambi. OK. Patientez un moment, s'il vous plaît. Allô, docteur. Ça va aller? Madame Ekambi, pour vous. Il vous attend. Vous prenez les escaliers juste à gauche, là. Merci, madame. Portez-vous bien. Merci, madame. Mais quelle surprise! Mon beau fils chéri. Qu'est-ce que vous faites ici? Je me sens pas bien aujourd'hui. Oh là. Espérance, tu es sûre que tu veux qu'on se remette ensemble? Oui. Ah, pourquoi tu réponds à ma place? Parce qu'avec ton orgueil de femme, je sais que tu vas dire non. Ça fait un an, précisément le 12 février, qu'on s'est séparés. Beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Mais si tu as retenu cette date, ma fille, c'est que tu l'aimes toujours. Maman, le docteur nous attend déjà. On y va. Vous pouvez rester causer pendant que le docteur me reçoit. Bon rétablissement. Merci. Bonne journée, Ellie. Bonne journée. Tu vas où saper comme ça, ma mère? Je vais à la rédaction d'un journal, maman. Déposer des preuves tangibles qui vont montrer à quel point M. Elimba est un homme irresponsable. Je t'ai demandé de laisser cette histoire tomber.
Ça ne veut pas qu'on nous a tiré des malheurs. Qui t'a donné ça? En fait, je suis tombée sur vos conversations WhatsApp. J'ai fait des captures et des photocopies que j'ai gardées. Je t'interdis de fouiller dans mes affaires. Tout le monde doit savoir qui il est. Tais-toi! Ne te mêle plus de ce qui ne te regarde pas et cesse de raconter des bêtises. Ah, maman, arrête un peu avec tes ragnagnas, hein. Si tu gardes ces conversations dans ton téléphone depuis des années, c'est que ce ne sont pas des bêtises. Toi-même, tu meurs d'envie de le dénoncer. C'est juste que tu n'es pas courageuse. Mais moi, je le suis. Ferme-la! Voilà ce que je fais de tes preuves, moi. T'es courageuse! OK. Tôt ou tard, son vrai visage sera révélé au grand public. Fais-moi confiance, Mamounette. Oui, allô? J'espère que tu as reçu le dépôt. D'accord. Merci pour la bonne information. Oui, nous avons pu le croiser à l'hôpital à temps. D'accord. À plus tard. À ce que je vois, tu es en super forme, maman. Pourtant, ce matin, tu te tordais, on aurait dit que tu allais mourir dans une heure de temps. Mais j'étais à l'hôpital. J'ai pris des médicaments. Maman, ce que tu me demandes, je suis incapable de le faire. Dans la vie, on ne fait pas forcément ce qu'on a envie de faire. Et puis, depuis la mort de ton père, j'ai tout sacrifié pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Tu me dois bien ça. C'est pour ça que je m'occupe bien de toi, maman, pour te montrer à quel point je suis reconnaissante. Ça ne me suffit pas. Je veux être la belle-mère du futur gouverneur de Makoa. Petite sotte, sors photo de ta tête et pense seulement à Elimba. Et puis, ne me contredis plus jamais. C'est vrai que j'ai aimé Elimba par le passé. Mais maman, maintenant, il est le mari d'autrui. Mais on s'en fout! Il est le mari d'autrui. Et puis quoi? La vie est un combat, une bataille perpétuelle. Et puis rien ne se donne dans la vie. Tout s'arrache, ma fille. Répète après moi. Je vais aimer Elimba à nouveau. Répète, madame. Je vais aimer Elimba à nouveau. Allô, mon cœur. Allô, ma chérie. Je suis en train d'aller m'apprêter pour la sortie. Tu passes me prendre ou alors je viens te retrouver. Non, je vais passer te prendre. Attends, je ne vais quand même pas laisser ma chérie se déplacer en taxi. D'accord, mon chéri. Tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure, ma chérie. Excusez-moi, patron. Ah oui? Votre épouse Fatima est très, très malheureuse. Je pense pour ma part que vous devriez cesser d'aller voir d'autres femmes, ne serait-ce que pour un bout de temps. Ça lui fera du bien. Mustapha, ce n'est pas parce que je t'ai permis de me parler librement que tu vas penser que tu es mon conseiller sentimental. Excusez-moi, patron. C'est juste que mon papa m'avait dit que quand vous avez un arbre qui vous donne des bons fruits, vous allez plus veiller dessus que sur des arbres qui n'ont même pas encore fleuri.
mais tout ce que tu dis là, c'est permis quelle catégorie? Tu es mon chauffeur, contente-toi de me conduire. Ok? C'est compris, patron. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous annonce ma démission du Parti Socialiste. Depuis la mort de Jerry Mulemba, l'idéologie du parti n'est plus respectée. Et aussi, je ne me retrouve pas dans les nouvelles orientations du parti. Beaucoup vont se poser la question de savoir si je vais créer mon parti politique. Eh bien, la réponse est « qui vivra, verra ». Mais ce n'est que le début. Ils vont tous démissionner du Parti Socialiste. Ce parti qui dessert la région depuis de longues années. Bravo, bravo. J'apprécie les hommes qui ne se laissent pas marcher dessus. Il faut que tu me rejoignes dans mon parti, le vrai parti de l'opposition. Bravo. Bravo. Bonsoir. Je m'impatientais déjà. Pourquoi il reste dans la voiture? Désolé, mademoiselle, il ne peut pas vous rejoindre aujourd'hui. Il m'a demandé de vous accompagner pour la sortie. Il ne peut pas me faire ça. Il est où? Le bon monsieur ne décroche pas. Il ose me faire ça. Il était pourtant d'accord quand je lui ai dit qu'on allait sortir avec mes copines. Maintenant, il me laisse au carrefour. Je vais faire comment? Les filles sont en train de m'attendre depuis. On y va. Ce n'est pas avec toi que j'ai prévu sortir. Si Ellie n'est pas là, tu libères le plancher. Pardon? Libère! J'ai fait mon travail. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous n'allons pas tourner autour du pot. J'ai convoqué cette réunion restreinte suite à la démission des coordonnateurs du parti. Nous devons le remplacer sur la liste des délégués pour les élections régionales. Réfléchir ensemble et trouver des résolutions y afférentes. Oui, Madame Bilongo. Nous avons un gros souci avec la démission de M. Ekoto, parce que des informations secrètes du parti peuvent se retrouver sur la place publique et cela ne sera pas du tout à notre avantage. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, qu'il prenne la parole. La décision de M. Ekoto me semble compréhensible, vu qu'une bonne partie des membres a été surprise par le choix porté sur camarade Elimba. Ekoto est tout simplement un mauvais perdant. Il a préféré fuir la réalité que de l'affronter en face. Et sa démission est une preuve qu'il ne respecte pas la discipline du parti. La raison principale de notre rencontre est de trouver un moyen de mettre Ekoto hors d'état de nuire. Il ne fait plus partie des nôtres.
mais il connaît trop de choses de nous. Alors, en cette période aussi délicate où nous nous apprêtons à aller en campagne électorale, nous devons trouver d'urgence un moyen de le museler. Et qu'est-ce que vous proposez, Madame la Présidente? C'est pour ça que nous sommes là. Et nous devons trouver ensemble une solution avant de partir d'ici.